Coucou les amis, c'est Ryzen et bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo de Perseid The Beginning. Alors là on a un petit souci, cette température pour X raisons, elle est en train de monter. Je sais pas, le soleil s'est dit, je fais un peu plus de chaleur et tout, pop, sur cette planète, mais non. Ah, il est pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que j'ai besoin que la température ici, là on voit que c'est 21, ouais mais c'est parfait 21, à soi basse. Ah bah finalement, c'est pas mal du tout. J'ai bien travaillé sur le terrain. Ça, bœuf. Peut-être pas assez. Pas loin. Ah bah c'est pas mal du tout, franchement. Alors, je vais regarder ma population de souris. Et où qu'on en est par rapport au singe, parce que là, on n'y est pas encore. Oh, et en passant, petit commentaire, attendez. Oh, bah, c'est Line Linette. Ou Lin Linette. Ryzen, tu devrais refaire une map immense. Bah, c'est fait. Comme ça, tu fais différents biomes. Bah, je suis en train de faire. Ça prend un peu de temps. En tout cas, merci pour le commentaire. Et yep, on va s'y attaquer. Sans... Ah ouais. 31 calques. C'est chaud, hein. Faudrait avoir ce truc. 41-51. Peut-être que je vais mettre une pierre chaude plus badass encore. Je pense juste que lui il va survivre loin. Bien. Et je regarde le statut de mes souris. Vachement important. Les insectes, ça se débrouille bien. Les arbres. Oh, c'est bien ça, ça commence à... Commence à en avoir d'autres. Je suis plutôt content. Il y en avait 2000 quand je voulais les capturer, j'ai pas pu malheureusement. Et c'est monté pouf, comme pas possible. Ça, j'aimerais bien, mais il me faut... 36-46... Faut que je les capture en fait. Non, ça va pas le faire tout de suite. Oh, j'ai oublié les souris. Ça. Ça diminue légèrement, mais ça se tient bien. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ça. Ah, c'est pas ouf. Franchement. Oh, c'est parce que la température est devenue un peu trop basse maintenant pour eux. Et pour évoluer, 18. Et le singe? 21-27. Mais il faut plus. Faudra un 25 en température. Ici et là. Sinon, je chope des souris. Et je les fais évoluer tout simplement. Ça se tente. C'est pas toi, je pense. Si, c'est toi. Tiens. Oh, attends. Là, il fait 27, remarque. C'est bien aussi comme quoi. Bon, on sait pourquoi il n'y a pas les souris en haut. Ouais, ça va se faire tranquille.
Juste un peu de temps, les amis. Ah, on a eu du Triceratops. Il y a eu des petits trucs qui sont bye bye, mais c'est pas grave, c'est normal. Par contre, un Botino ici, peut-être. Triceratops, voilà. Oh là là, ah il est rapide. Faut pas l'embêter lui. Alors, dinosaure herbivore connu pour ses cornes protubérantes, oui. Se nourrit de petites plantes, plus petites plantes que leur Brachiosaurus. Petit level. Donc celui-là, quoi. Et l'autre découverte, on va la choper. Peut-être encore une plante dans le biome froid. Je suis pas sûr. Ou alors un insecte. C'est possible aussi. Mais je tirais plutôt une plante. Et oui, c'est ça. Alors, mutation du bouteloup gracieux qui pousse dans les climats froids. Ok. Alors, nous, on va continuer là-dessus ici. Donc, pour l'instant, les souris ne vont pas venir là parce qu'il fait trop frais. Mince. Il fait des bêtises oreilles. Par contre, elles peuvent vivre en dessous maintenant. Parce qu'on a mis tellement de terre que le climat il s'est bien refroidi. Mais avec la pierre de feu, pierre de chaleur quoi, ça nous a permis d'avoir des dinosaures. Ça, c'est plutôt cool. Donc en gros, un petit biome grâce à la pierre. Mais normalement, si j'en mets une ailleurs, ça va disparaître. Ça, c'est un peu dommage. Peut-être que ça changera. Et quand on aura, je sais pas, un singe qui pourra vivre ici, je pense qu'ils vont s'installer là. J'espère. Ah, attendez, 22 et quelques. Peut-être que ça va s'installer tout ça, la plante, que j'aime bien. Ce serait cool. On peut espérer un nouveau truc, peut-être, avec le changement de température. Bouteloup, bye bye. Eosimia. Eosimia. Attendez. Ça me dit vaguement quelque chose, mais de voir. Mais oui, c'est toi, petit singe, les amis. On a réussi. Un petit primate qui a vu le jour lorsque le monde a commencé à se refroidir. Mais oui, c'est bien. C'est pour ça qu'on fait ça. Est apparu lors de la prolifération du Delta Pteridium. Mais oui, t'es trop bien. Toi, 21, etc. C'est parfait pour toi comme température. Donc on va le cloner, tout simplement. J'utilise mes petits pouvoirs et tout du rail pour cloner ce truc dès que je peux le loquer. Please, laisse-toi loquer. No! Pouvoir du rail en cooldown. Non! 16 000 années. Pfff, c'est... Okay. Va falloir attendre un peu. J'accélère. Tintintin. Oh, il y a plein de nouveaux trucs. C'est quoi ce Beans? Je pense que les singes, ils sont bien. Oh, une super araignée. Je suis content, attention aux dinos. Ce serait bizarre qu'ils te bouffent, mais on sait jamais. Araignée qui s'est adaptée au climat très chaud, considérée comme descendante du Pleophagos, mais c'est cool. Celle-là, je l'ai mise un peu de côté. Et franchement, je suis content qu'on l'ait eu. C'est grâce à la grosse pierre. Sinon, on l'aurait jamais eu. Du moins, pas comme ça. Et c'est cool parce que peut-être que si elle s'adapte, ça, ça va être plus dur. Pour avoir des araignées, je sais pas si c'est cool pour vous, hein, qui s'adaptent à notre climat, en fait, un climat plus froid, quoi. Oh, ces poissons. Non.
Roll de bruit. What? Je sais pas si je t'ai déjà eu, toi. Diplocolus. Amphibien qui établit son habitat dans les hauts fonds. Il apparut dans la mer au même moment que l'Ichthyostega sur Terre. Ok, il y a encore d'autres trucs, c'est ouf. Là, les amis, on est plutôt bien parti, je pense. Papillon bleu. Ils sont jolis, ça, là. Alors, papillon qui se nourrit du nectar des fleurs est apparu lorsque le Brachiosaurus commençait à proliférer. What? Ok. C'est cool. Il y a un truc dans l'eau. Dans les abysses, même. Oh, j'adore tous ces poissons. C'est les petits? Non. C'est cool qu'il y ait des petits poissons ici. Franchement, ce poisson-là, il est cool, le gros. Mais si un jour on peut avoir un truc plus gros et tout, ah, c'est rigolo. C'est pas toi. C'est pas toi non plus, normalement. C'est qui alors? Ça se déplace, c'est toi? Peut-être un truc qu'on n'a jamais eu. Acanthode. Ah ouais, température très froide, peut-être qu'on l'a jamais eu. Poisson d'eau de mer qui s'est adapté aux températures plus froides. Il a apparu lorsque le Coelacanthus a commencé à prospérer dans les abysses. What? C'est trop bien. Oh, et on n'a pas du tout fini, c'est ouf. Beaucoup, beaucoup d'évolution là. Petit insecte, attends-moi. No. Oui, je t'ai eu. Avec mon filet. Alors, une Meganeura volant près de la surface. Elle s'appelle Marine. Marineura. What? S'il y a des marines, ouais, ok. N'hésitez pas à faire savoir. Volant près de la surface des hauts fonds, se nourrit d'organismes qui percent la surface de l'eau. Oh! Ça peut être cool, ça. Ça chasse les trucs dans l'eau? Ah, j'aime bien. Ça a l'air plutôt cool, la marine. Top. Ça, non. Climat froid, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Ah bah, tout simplement. Abyss firma. En gros, des sapins de glace, quoi, de neige. Espèce de conifère, donc ouais. Qui pousse dans des terrains humides très froids. Et apparu en même temps que... Et aussi bien que le singe. Il nous manquait juste le singe pour avoir ça, en fait. C'est plutôt cool. Et il y a un dernier truc qui nous attend sur la zone qu'on fait, les amis. Est-ce que... Mais oui, il y a des singes, ça y est, c'est bien. Non, c'est pas un singe. C'est un chien, c'est mieux. Enfin, non, c'est pas mieux, mais c'est aussi bien. Non, quand je dis c'est mieux, c'est parce que c'est nouveau, ça. Je suis content. Un grand mammifère qui est apparu peu après que les populations de Delta et aussi bien ont commencé à augmenter. Ok. Alors... J'espère que ça ira. Ce serait bien si les singes pouvaient venir ici. Je serais content. Je prends le truc de ma soucoupe. En tout cas, pas mal du tout tout ça là. Franchement, on est desservi en évolution. Quelques trucs qu'on a déjà vus, pas mal de trucs comme qu'on n'avait pas vu encore. Et les nouveautés vont bientôt commencer là. Sinon c'est plutôt cool. Il y a peut-être moyen d'avoir les dinos en bas, les humains en haut. Ça, je serais content. Là il me faut un petit lac. Je peux pas m'embêter pour le lac. Boum. Et
Plutôt comme ça, voilà. Ferme une mosaïque pour que ça se remette bien. C'est un peu sec ce coin quand même. Oh les singes, ça y est, 300 000 Mégalania, ou un truc comme ça. Je fais ça avant et regarde après. J'espère que les chiens, il y en aura plein ici. Mais je pense qu'il n'y a pas de soucis. Alors on a 3 flocons pour descendre la température, mais nope. Petite montagne, ça se fait petit à petit, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau maintenant? Ah, on a des singes ici. Mignon. Ça, c'est mes petites plantes que j'aime bien. Il y en a beaucoup. C'est pas mal. Ça commence à se faire. Un nouveau truc en haut. Plante rose, je pense pas. Si. Ah bah il est en plein dessus le singe. C'est ce qui est bon. Non. Ah mais non, mais c'est le singe qui est nouveau en fait. Ok. Dryopithecus. Un grand primate omnivore mangeant fruits, insectes et plus encore. Il a de plus grandes chances de survivre. Oh mais c'est bien ça. J'espère que c'est vrai. Adaptation SS quand même, ouais. Température 24 maximum. 34 sinon il survit. Mais 24 pour pop. Donc quoi en hauteur, c'est important. Petit level up. Et attendez, c'est pas fini. Alors ici, croco. Ouais c'est ça. C'est pas un croco si. C'est pas un croco. C'est un mégalania, c'est quoi ce truc? Un grand reptile qui est apparu lors de la prolifération rapide du sphénodon. Évolution S, il peut encore plus évoluer. Oh là là. Attendez, on va regarder ça quand même. Ouais, en passant le singe, soit ça, soit ça. Ah, c'est pas mal du tout. Faudra 21 de température max. Ah ouais, quand même. Pour les hommes, c'est quoi? 18, 22, ah après on se réchauffe, c'est cool. Là ils sont 4000, 22, 25 max. Toi j'ai vraiment envie de te faire évoluer. Hmm, 19 température serait cool pour le haut. Alors réfléchir à hier. Toi, je t'ai pas eu encore. Toi, ce serait vachement cool. Comme ça, on pourra avoir des tortues.
Attendez, il y avait autre chose qui m'intéressait, c'est quoi? Chemin. Ah, je me suis perdu alors. Ah bah toi en fait, Megalania, tu donnes quoi? D'accord. Ça peut être mignon, mais je sais que tu vas bouffer des trucs quand même. Non? Ça passe. Ça, c'est moins gentil. Ressuscitant le Vélociraptor? Même les humains craignent cette créature, c'est quoi ce truc? Donc ouais, ce truc, c'est pas gentil du tout. Mince. Bah, on évolue bien et tout, mais... Faudra. 19 en température. Ça, c'est température très très élevée par contre. Mais il y a un risque. Ok. Bah les amis, nous on va se laisser là. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc comme toujours, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur Birdseye The Beginning. A toutes les amis, ciao ciao, bye bye. Ciao.